Y'a les Kings CS, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, présentation de ma maison sur Minecraft. Alors j'ai pas voulu faire un live parce que le live c'est trop long et un live c'est fait pour que ça dure plus de 20-30 minutes. Donc moi je préférais vous faire une vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Et avec le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis bonne vidéo. Ok, donc on la voit de dehors. De l'extérieur. Vous voyez que j'ai fait une petite une muraille tout autour de ma maison, genre environ la zone que je veux pas dépasser. Mais bien évidemment, quand l'aventure va plus grandir, du coup je suis un plus grand territoire et tout. Mais j'ai plutôt fait une muraille pour pas que les mobs viennent. Après ils peuvent rentrer d'ici, je sais. Mais si je sais pas qu'est-ce que je vais faire, un peu de beau et j'ai pas envie de faire des portes en fait. Voilà. Donc tout autour de ma base, j'ai fait une muraille avec des et dans ma base également dans le jardin et tout, j'ai mis des lampes, des torches, comme ça les mobs pourront pas trop rentrer. Donc on va commencer, donc il y a deux entrées, donc moi vu comment moi je vais rentrer par celle-là. On va tout de suite commencer par la maison. Donc j'essaie de pas vous spoiler trop. Hop, donc j'ai fait quelques changements dans la maison. Donc côté là. Donc voilà. Donc on arrive tout de suite dans le salon avec les tables les trucs là, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle déjà ça? Ok, bon, vous l'avez compris. Avec 6 fours. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 fours. Donc voilà. Donc là, bien évidemment, j'ai pas fini. Je mettrai plus de choses et tout. Ici, je compte faire la bibliothèque. Juste à côté de l'arbre, je vais faire la table d'enchantement. Mais quand j'aurai de l'obsidienne, parce que pour l'instant, j'en ai pas du tout. Mais je compte prendre de l'obsidienne pour faire aussi le portail de du Nether. Voilà. Donc ce sera une salle dédiée à la table d'enchantement. Et le portail du Nether ne sera pas du tout là, ce sera à l'extérieur. Ensuite, on monte à l'escalier. Donc là, voilà. Mon petit lit. J'ai essayé de vouloir faire un pot de fleurs, mais j'avais pas tout et j'avais la flemme en fait. Du coup là on a plein de coffres. Alors c'est ma salle de coffre temporaire pour l'instant. Donc c'est ma salle de coffre temporaire. Mais bien évidemment plus tard je la referai mieux. Donc là il y a tout ce qui est mob et tout. Là c'est tout ce qui est coffre fort. Donc tout ce qui est précieux on va dire. Ici il y a tout ce qui est bois. Donc il faudra aussi que je farme un peu le bois parce que j'en ai vraiment plus du tout. Là c'est tout ce qui est pierre, donc j'en ai pas mal avec pas mal de fer. Ici c'est la nourriture et ici c'est un peu de pour le jardin et tout quoi. Et ici c'est tout ce qui est armes. Donc voilà. Ensuite on va passer tout de suite à l'extérieur. Hop, on sort. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai fait un pas mal grand terrain. J'ai essayé de mettre quelques pots comme quelques petits trucs comme ça avec comme ça les mobs évitent de spawner. Donc voilà. Oula, ma caméra elle bouge. Ok, donc voilà, donc j'ai fait un peu tout le tour. Donc là ensuite il y a les animaux, donc j'ai grave agrandi la cage d'animaux. C'est regardez comment elle est grande. Mais je pense déplacer le potager un peu plus là-bas parce que ici je compte faire quelque chose d'autre. Une petite cabane avec le portail du Nether là-dedans. Et pourquoi pas relier ici à ici pour faire ma salle de coffre. Pour faire ma phase de coffre et juste en bas, donc je ferai un sous-sol également. Et au sous-sol, le portail du Nether et tout. Donc, c'est ce que je compte faire. Et ça, parce que je sais pas si les animaux sont un peu attirés par la nourriture, mais je pense pas. Mais voilà. Avant, vous vous rappelez la cage d'animaux, il y en avait pas tant que ça. Mais j'ai vraiment voulu prendre le temps de prendre tous les animaux, de les mettre dans la cage. Comme ça, je peux faire plein de choses. Et je compte pas trop les faire reproduire parce que j'en ai assez. Après quand j'aurai plus de nourriture, je les ferai accoupler et je tuerai un ou deux, tu vois. Comme ça j'ai de la nourriture. Je compte aussi mettre des barrières sous le pont. Comme ça ils peuvent pas passer au-dessous du pont, pas comme ce petit cochon là. Donc voilà. Ensuite on a la canne à sucre qui a extrêmement bien poussé. Ça fait depuis hier que je n'ai pas touché, elle a grave poussé. Mais je pense que ça c'est le maximum. Donc voilà. Ensuite ici on a les agriculteurs avec les carottes et le blé. Les patates, il faudrait que je trouve un autre village pour cultiver les patates et tout. Donc voilà. Là il y a plus de carottes, donc voilà, donc ça fait énormément de carottes et tout, donc waouh.
Ensuite, on va aller sur le toit. Et là, on regardait. Comme vous avez vu, il y a plein de choses. Mais je compte enlever ce petit arbre et le mettre dans la cage. Ah, je sais pas si je vais le mettre dans la cage. Mais je compte plutôt le mettre vers ma plage privée. Voilà. Donc, on va d'ailleurs le cultiver tout de suite. Donc, voilà. Quand on descend et tout. Hop. Donc, juste ici, comme vous pouvez le voir, bah, c'est à l'intérieur. J'ai essayé de faire un truc plus beau de l'ex moche. C'est normal, j'ai fait vite un truc à l'arrache. Mais dans les prochains épisodes, il y aura quelque chose de mieux. Par exemple, là, regardez, il y a les trous et tout. Donc, ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres choses de mieux pour ce petit endroit de l'extérieur. Ensuite, on a ma petite plage personnelle. Donc, voilà. On va juste planter l'arbre ici. Ma petite plage personnelle, donc voilà, donc c'est plutôt un bassin de 18, c'est tout. Alors 1, 2, 3, 4, bon, voilà, je peux compter. Et là, je compte vraiment un maximum. Et donc, soit ici, je referai un plus grand portail et tout, de plus grand mur comme ça là, pour faire ma forêt, ou plutôt là-bas. Mais ici, je trouve que ça fait un peu plus petit et je sais pas. Peut-être dire là, je serai ma forêt et tout, mais voilà. Ensuite, la dernière étape que je vais vous montrer, c'est simplement comment ça s'appelle? Mon endroit où pour cultiver mon minerai et tout. Donc voilà la petite entrée. Donc j'essaie de faire un truc pas mal. Dites-moi sur 10, de 0 à 10, comment ça vous plaît. Derrière, j'ai pas fait quelque chose de ouf, mais je voulais pas du tout. Oh mon dieu, il m'a fait flipper. Donc j'ai vraiment pas voulu que les gens montent dessus. Même mon cousin, je sais pas s'il va rejoindre l'aventure, parce qu'à chaque fois il dit il a pas Minecraft, mais je suis regardé sur son profil. J'ai regardé sur son profil, il a bien Minecraft, donc voilà, il a juste à me dire il a pas envie de jouer, c'est tout. Donc voilà, ensuite on rentre. Donc j'ai mis des escaliers et tout. Donc j'ai pas du tout fini. Ensuite là, comme vous voyez, j'ai fait des petites trucs là, genre des petites voilà. Donc c'est des escaliers retournés pour faire un peu genre. Donc ici, je compte plutôt faire par exemple quand je sortirai de minerai, genre tout ce qui est ici et tout, bah voilà. Et je compte vraiment fermer le bois parce que je ne peux plus faire zéro table de ça. Je peux vraiment plus faire ça. Donc c'est honteux, j'ai envie de dire. Et je compte rajouter un deuxième truc comme ça, juste ici, et plus de corps. Un autre là, et là. Après, je pense qu'on sera pas mal. Avec un petit, par exemple, voilà, on va dormir. J'ai pas envie de dormir. Ok, donc voilà. Ensuite, là, on descend, mais j'ai pas fini, donc je ferai plus d'autres salles plus profondément également. Et je vais vous montrer de nuit comment. Oh, donc voilà, c'est ce que je déteste, c'est parce que les creepers spawnent pratiquement tout le temps là. Évidemment, j'ai aussi pas mal farmé les squelettes. Comme ça, ils me donnent la poudre d'os. Et comme ça, je peux faire un peu beau, tu vois. Vous voyez. Donc voilà, ma maison de loin. Je sais que c'est pas très beau, mais ça fera l'affaire pour un petit moment. Et bien évidemment, je compte aussi l'améliorer de plus en plus, hein. Donc voilà, donc c'était ma petite maison, donc on va juste tuer les zombies. Hop. Ok. Donc ensuite on va rentrer là. Donc moi personnellement ce que j'ai fait, ah bah j'ai oublié de rajouter des lampes. Comme ça il ne spawn point. Donc moi ce que j'ai fait parce que... Moi vraiment j'ai fait un pont au lieu de faire toujours tout le tour. De la maison, mais j'ai juste à sortir, à traverser, comme ça j'arrive tout de suite à mon petit magasin d'agriculture, j'ai envie de dire. Magasin, mon petit endroit d'agriculture. Par contre, la vérité, toi tu me cherches. Donc voilà, donc c'était tout, hein. Après là, mon but c'est vraiment d'aller essayer de farmer hors caméra le fer, le diamant, ou même peut-être de l'émeraude, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà. Voilà. Ah! Ah!
Ok. Moi, pour ce moment, j'en ai marre vraiment des squelettes. Hop. Et mec. Et c'est pas possible. Enfin. Et ben. What? Ok, du coup, j'avais pas tué. Ok. Donc, je pense qu'on va se laisser là-dessus, les kings. Donc, on va juste se remettre un peu plus loin. Donc voilà les kings, c'est la fin de cette vidéo, donc vous voyez bien ma belle petite maison avec les zombies qui me cassent la tête. Je peux bien faire mon ma fin de vidéo s'il vous plaît, tranquille. J'ai vraiment envie de laisser la nuit. Donc voilà les kings, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc moi je vous dis